tout le monde, c'est Nao. Je suis contente de vous retrouver, non pas en live, mais à moitié quand même, puisque donc je participe au tournoi de Krav Maga. Je vois mon, mon adversaire qui est là. Go, go, go. Alors, on va lancer le combat. Je suis dans les locaux, accrochez-vous, de Webedia. Je suis chez Millennium pour l'occasion. Et il y a un stream officiel sur la chaîne de Krav Maga actuellement, ce qui fait que je ne pouvais pas stream perso. Donc entre mes matchs, je vais pouvoir aller caster. Mais là, pour l'instant, j'ai mon combat. C'est contre Ekatereu. On va lancer le défi. Défier. Je ne sais pas. Alors, pour information, c'est que depuis ces quelques jours, je n'ai pas vraiment pu jouer. Je n'ai pas pu tryhard plus que ça, puisque je n'avais pas de connexion internet, vous savez, avec mon déménagement, etc. En plus de ça, il y a un patch qui est tombé avec pas mal de cartes que je jouais jusqu'à présent qui ont été complètement nerf. Donc du coup, j'ai fait mes decks complètement à l'arrache. En plus, moi, vous savez, j'achète pas des boosters ici. J'ai l'impression d'être avec des pros, etc. Donc je vais flancher. Quand je vais rentrer chez moi, je pense qu'on se fera une petite session, on achète des boosters, on les ouvre et on sera un peu plus compétitif pour les prochains tournois. Donc là, on va partir sur... J'ai envie de jouer SRAM. J'ai envie de jouer SRAM, ça se tente. C'est parti. Alors par contre, le chat m'énerve. Est-ce que c'est possible de l'enlever? Je tombe contre Ekatereu, un pseudo qui me dit bizarrement quelque chose. Non, 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 c'est trop cher. J'ai l'impression que c'est... On va mettre un peu de musique du jeu quand même. On peut pas fermer ça, c'est nickel. Oh, putain, alors j'ai aucune carte pour jouer dans les premiers tours, ça va être la misère. Ah, il joue Kra. Oh bah, pff, super. Donc je vais me faire laminer, je pense. Hein. On va essayer de faire le mieux qu'on peut. Hein. Donc premier tour déjà je ne peux rien jouer, ça commence exceptionnellement bien. Mais il ne joue rien, mais que fait cet homme? On attend, il doit avoir masse sort dans sa main après me les foutre dans la gueule. Alors il commence par un Kra, Robin des Landes, on va essayer de s'inspirer hein, pour les decks précédents. Les decks prochains. C'est très con de jouer mon pieu rouge, on va attendre. Et là, il se dit, mais elle ne joue rien, cette femme. Cette femme ne joue rien du tout. On est parti pour un gros Nambour. Il va peut-être pouvoir booster son Kra. Ici, nous avons Flopin, carte très intéressante. Et donc, oulala, bon, mais mon gros Nambour est décédé. Malheureusement, c'est la fin. Le problème des Kra, voilà, c'est que je ne peux rien faire. Hein. J'aurais dû jouer Kra en fait. Mon deck Kra est vraiment pas si mal quand on y pense. Là, je suis en train de me faire rouler bouler. En plus, c'est sur mes 3 Dofus. Donc là, on n'est pas bien, hein, effectivement. Oh là là, détruit une invocation. Ça détruit mon crackler. Et Ekatereu, j'ai déjà l'impression... Est-ce que je l'aurais pas... Je suis déjà tombée contre lui. Je suis déjà tombée contre lui, je ne sais pas quand, mais... Oh, mais tout tape de loin, c'est très chiant.
Et le premier Dofus qui tombe en sa faveur. Oh là là, mais bordel. Pourquoi j'ai un piou? C'est vraiment nul ça. Non, bon, mon deck, je vous ai dit, hein, j'ai refait mes decks un peu à l'arrache. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'entraîner et du coup, je vais le payer très cher. D'autant que j'ai pas d'infinite. J'ai pas vu d'infinite à lui encore, tu vas me dire. Oh là là, mes Dofus sont tellement pas bien. Ça fait quoi? Échange au hasard les emplacements de vue pour chaque joueur. Ah. Oui. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont changé de place. Oh, il doit bien avoir quelques sorts dans sa main. Quatre. Quatre de mana. Alors, là, il lui reste 2 de vie. Donc là, il va mourir. 3 de vie. Lui ne va pas mourir. Attends. Attends, mais c'est pas mon deck ça. C'est un deck de base. C'est pour ça que j'ai un Pioussin. Putain, j'ai lancé le deck de base. Mais je me déteste, je me déteste. Pourquoi? Pourquoi chaque fois que je joue SRAM, je finis par lancer avec le deck de base? Quelle est cette sorcellerie? Putain! Je me déteste tellement. Tu vois? Voilà pourquoi j'ai des cartes de merde. Mais nul à chier, mais putain, mais Nao, mais Nao, mais Nao, mais Nao, quoi. Nao, mais Nao, mais Nao, quoi. Ça tue, ça pioche. Je suis obligée d'envoyer un texto. J'ai lancé avec le deck de base. Je me déteste. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça de la concentration? Oh, Joris, 3 étoiles, énorme, hein. Énorme en tout cas. Plus en attaque, ce sera pas suffisant. Oh.
Vraiment nul. C'était très nul. Donc là, j'imagine que c'est un faux Dofus. Non, c'est un vrai! Mais c'est énorme! Que se passe-t-il? Oh non, il me tue! Et lui, il meurt pas. Du coup, c'est un peu la loose. Avec un peu de chance, la victoire. Non, faut pas déconner non plus, hein. Le truc, c'est que mon Cactoblongo va mourir. En plus, ça se trouve, il a un sort. Ok. Et lui va avoir de la PO pour taper, je pense. Donc voilà, c'est fini, c'est la lose. Et je me déteste. Voilà, GG. Putain. Alors, report de résultat. Score, mais j'en sais rien moi, score. Loss, win, hop. Report. Hein? Ah non, c'est bon, c'est validé. Ok. Très bien, très bien. Deck de base, mais deck de base de mort!